Rien n'est gratuit dans la vie. Si c'est gratuit pour toi, c'est que c'est toi le produit. Vous connaissez certainement cette célèbre phrase qui dit que si c'est gratuit pour toi, c'est que tu en es le produit. Et pour vous qui êtes chrétien, je vais vous dire que même ton salut n'est pas gratuit. Le salut de ton âme n'est pas gratuit. Ça a coûté la vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie afin que toi, tu puisses avoir le salut. Donc, tu étais le produit, en quelque sorte. Donc, rien n'est gratuit dans la vie. Et donc, apprends à regarder les choses sur ce prisme-là et ne recherche plus les choses gratuites. Quand tu vois quelque chose qui est gratuit, pose-toi la question, qu'est-ce qui est en jeu? À qui ça profite? Ce qui est bien avec le salut, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie, non pas pour avoir un profit personnel, mais il l'a fait pour nous. Et c'est ça qu'il y a de beau dans le salut de nos âmes. C'est ça qu'il y a de beau dans la foi chrétienne. Le fait que Jésus-Christ n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait pour ses propres intérêts, mais pour nous. À bientôt, que Dieu vous bénisse.